le remake de la finale de 2022 qui avait vu l'équipe Angevine s'imposer de 3 points. Une heure et basket en noir et qui remporte invaincu cette année face à l'étoile Angers Basket, tenante du titre qui a perdu un match ce matin face à la belle équipe du Spirou Charleroi. Je vous laisse applaudir chaleureusement tous ensemble les joueurs de cette première finale. Avec une forme de simplement pour ça, s'il vous plaît. Thank you.
Thank you.
TV. Entre en jeu de numéro 12 sous vos abonnements gagnés.tv. Applaudissements également pour André, le déhancheur numéro 9, Brian Michel.
souhaiter dans la première première demi-finale. I like to move it.
manger basket. Et on va accueillir le cop qui va distribuer les goodies. Il va falloir de l'ambiance. Alors je vais vous demander de les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, le cop. Alors, venez vous pour le cop. Thank you.
première faute pour Nathan. Et la sentinelle dans ses applaudissements, il est remplacé par le numéro 14, William Mandel. Thank you.
sifflé contre l'équipe angevine. Elle sifflait contre le numéro 7, Jolan Polina-Nobier. Première faute personnelle. Allez, 4:51, je mets 4 points d'avance pour les joueurs de basket. On peut les applaudir chaleureusement si vous l'avez vu. Demi-finale, ils ont besoin de vous. Retour sur le parquet, Edouard Candubert.
pour l'équipe d'Angers. Il est con celui-là, il perd. Faute sifflée contre l'Union de la Basket, contre le numéro 8, Mathis Muro. Première faute pour Mathis. À 2 minutes 56, ça se passe cette première demi-finale. On continue de les applaudir. On continue de faire du bruit, s'il vous plaît, du public. Allez. Faute sifflée contre l'Union de la Basket. Elle est sifflée contre le numéro 4, Thomas Brisson. Deuxième faute pour Thomas.
jouer dans cette exceptionnelle première demi-finale. Thank you.